Midi Théâtre au sein de la Connect. Donc le projet Midi Théâtre, donc c'est un projet qui rentre dans le cadre de la coopération transfrontalière Tunisie-Italie. Donc il comporte 6 partenaires, dont 3 Tunisiens. La Connect est le partenaire numéro 5. La mission principale de la Connect dans ce projet, et la Connect, elle a une mission vraiment entrepreneuriale, économique. OK, donc on est appelé à installer un incubateur, à créer un incubateur dans lequel on va incuber les artistes et des artisans tunisiens qui sont dans la production de costumes et de décors pour ce genre de spectacle, c'est-à-dire les spectacles de l'opéra, OK, autour de la musique lyrique. Ça c'est la première mission de la Connect et le premier résultat dont on est appelé à achever ou bien créer au sein de ce projet. Actuellement, on a sélectionné 12 artistes et artisans, OK, dans le costume, la production de costumes et de décors de 6 régions tunisiennes. On a fait un premier atelier à Trapani où on les a accompagnés dans le cadre d'un workshop décors et costumes pour le transfert de savoir et savoir-faire entre nos artistes artisans et les artistes italiens. Deuxième résultat, on est appelé dans le cadre de cet incubateur à créer 2 startups. Une startup qu'on peut la nommer, c'est une sorte de pôle de production, costumes, décors, OK. Et la deuxième start-up, c'est autour du tourisme culturel. Donc, la vocation de ce projet est la mission principale. C'est une mission vraiment culturelle, économique pour la Connect. Et aussi, surtout, ces alliances, les alliances qui vont être créées entre les artistes, artisans tunisiens et leurs homologues italiens, pour aller conquérir de nouveaux marchés, surtout méditerranéens, européens et autres. Ça, c'est le plus important. Donc, quand vous voyez, la vocation de la Connex, c'est une vocation économique, entrepreneuriale, culturelle aussi. Et nous, en tant que Confédération des entreprises citoyennes, on est très convaincus, et surtout à la tête de cette confédération, M. Tarek Chlif, notre président, qui croit beaucoup, et tous les entrepreneurs qui sont autour, croient beaucoup dans l'impact socio-économique de la culture. Et c'est ça ce qu'on va essayer de faire au sein de la Connect. Inch'Allah, maintenant, le projet s'est bien lancé. Merci.